Bonjour à tous et bienvenue, vous regardez l'autre direct et aujourd'hui nous accueillons Jean-Noël Blanc, bonjour. Bonjour. Alors vous êtes sociologue, urbanisme, vous intervenez aujourd'hui, vous êtes le grand témoin des universités d'été de l'ordre des architectes. Globalement ces rencontres professionnelles dans une corporation qui est peut-être un peu individualiste, ça a quel intérêt ? Pour le moment je crois que ces universités d'été là, elles sont intéressantes parce que ils veulent réfléchir, les architectes, sur l'avenir de leur métier, alors que les villes sont en train de changer, que les lois changent, qu'il y a des nouveautés sur l'écologie, l'isolation et des choses comme ça. Et c'est une profession qui me paraît indispensable quand même dans l'aménagement du cadre de vie. Donc c'est bien qu'ils réfléchissent. Vous, en tant que sociologue, qu'est-ce que vous pouvez apporter aux architectes ? Qu'est-ce que la sociologie doit apporter à l'architecture ? Mais il y a des sociologies. C'est-à-dire qu'il y a des sociologues qui se pensent extérieurs à l'architecture et qui disent ce que les architectes devraient faire pour le logement, etc., pour la ville. Et pour ma part, j'ai toujours pensé qu'il valait mieux comprendre les architectes de l'intérieur pour essayer de réfléchir avec eux, pas en leur donnant des leçons, mais en disant « là, vous soulevez une question qui nous intéresse aussi ». Oui, vous avez été professeur à l'école d'architecture de Saint-Étienne. De Lyon. Et de Lyon. De Lyon. Globalement, est-ce que l'architecture n'a pas tendance en ce moment à se concentrer sur le beau, sur le geste architectural, et peut-être à en oublier l'usage? Parce que par exemple, quand on se promène dans un quartier neuf comme la Confluence, on voit finalement un showroom, peut-être plus... Est-ce que ça a été pensé plus pour faire du beau que pour faire de l'usage? Il y a quelques architectes qui cherchent à faire les vedettes, comme à peu près dans toutes les professions. Hein. Et simplement sur Confluence, par exemple, il y a quelque chose qui est quand même très intéressant, c'est que certes, c'est un peu une galerie de beaux objets et la ville a besoin de beaucoup plus de banalité. Et là, il y a un côté un peu clinquant, m'as-tu vu ? On est d'accord. Cela dit, c'est fait sur des plans pensés par des architectes, sur des plans urbains, ce qui est quand même une énorme différence par rapport à la Part-Dieu, puisque là, on a une trame de rues, d'avenues, de passages qui font que la ville, bon, ça va se calmer avec le temps. Il faut laisser passer du temps pour le moment. Ça fait beaucoup de bruit et d'esbrouf. Mais je crois que ça va tenir longuement, non pas à cause des bâtiments, mais à cause du dessin de la trame urbaine. On est revenu à une logique de rue, enfin. La banalité de la ville, c'est quoi ? La banalité de la ville, c'est que c'est un tissu de contradictions. Et que la ville se fait... Au fond, elle se fait presque elle-même. C'est faux de le dire comme ça, parce qu'il faut qu'il y ait des constructeurs, des architectes, des urbanistes, des élus, etc. etc. Mais il y a une telle prolixité d'intervenants différents qu'il est complètement illusoire de vouloir décréter la ville d'un seul point de vue, comme on l'a connu avec l'époque glorieuse du Corbusier, quand il voulait être le dictateur de l'urbanisme, c'est un de ces mots, ça fait un peu peur. Du coup, on va ouvrir la parenthèse tout de suite. Le Corbusier fasciste ou pas, alors, pour vous ? C'est le grand débat du moment dans le monde de l'architecture. Il a fait partie d'une époque où beaucoup de gens étaient sensibles à ces positions-là. Par ailleurs, on ne peut pas dire que c'était un très grand démocrate. Il pensait qu'il devait être l'homme qui devait régler les problèmes humains pratiquement à lui tout seul. Et en plus, comme il avait une assez haute idée de lui-même, c'est vrai qu'il a fait le siège de Pétain, de Mussolini, qu'il aurait bien aimé travailler avec Staline, ce qui est quand même un peu gênant au total. Cela dit, non, c'est pas un fasciste, il faut pas plaisanter. Et c'est un architecte de très grands monuments, magnifiques. Mais en matière urbaine, ses positions sont tellement rigoristes et tellement simples, parce que c'est extraordinairement simple, sa conception de la ville. Ici, on habite, ici, on se récrée. L'âme et l'esprit, ici on consomme, ici on travaille. La ville, c'est justement pas ça. La banalité de la ville, c'est précis. Je reviens sur la question précédente. La banalité de la ville, c'est qu'il y a tout. Et l'exemple même, c'est la rue, où il y a des commerçants, des habitants au rez-de-chaussée, des artisans, des bureaux, avec des bâtiments qu'on peut détruire, mais ça ne tue pas la rue. Et cette rue, elle va beaucoup plus loin que les usages. On n'a jamais dessiné les Champs-Élysées pour que la Wehrmacht y défile, ou plus, de façon plus agréable pour que les Français aillent y célébrer la victoire de l'équipe de France de foot en 98. Mais les Champs-Élysées sont toujours là. C'est-à-dire, ça relativise finalement l'importance de l'architecte ou de l'urbaniste. Globalement, c'est l'usager qui fait la ville. C'est pas si sûr que ça, parce qu'on a vécu une époque, disons des années 50 aux années 70, en gros,
pour certains, ça dure encore, où on pensait faire la ville était uniquement du ressort des urbanistes, qui ignoraient la question des formes, en gros. Je suis désolé, mais la Part-Dieu, on est quand même un assez bon exemple. Hein. Et on pourrait prendre, si on est local, Centre 2 à Saint-Étienne, Mériadec à Bordeaux, Beaugournel à Paris, etc. etc. C'est les architectes, à partir d'exemples italiens et espagnols, qui ont remis en honneur le dessin de la ville. Donc avec des avenues, des boulevards, des places, des placettes, des impasses, etc. etc. Et je pense que les architectes qui s'intéressent à la ville, hein, donc pas tous, il y en a qui s'intéressent à leurs monuments, mais ceux qui s'intéressent à la ville apportent énormément, je crois, justement parce qu'ils réfléchissent à ces formes urbaines. Les années noires, donc les années 70, avec un paradoxe, c'est que c'était peut-être aussi les années où on faisait les logements les plus agréables pour l'habitant, parce qu'il y avait des volumes, il y avait des modularités, ce qu'on semble avoir perdu aujourd'hui. Oui, les logements... Les grands ensembles, par exemple, y compris les grands ensembles si décriés dans certains coins, en général, les logements sont bien faits. Mais le problème est que ça n'était pas urbain du tout et qu'on envoyait là une population qui, dans ses mœurs, dans ses habitudes, est une population urbaine. Donc, au fond, c'est une relégation. Alors, c'est très bien le logement, mais ce n'est pas le tout de la ville. Il faut le logement et la ville. Et effectivement, alors, pour des raisons administratives, pour des raisons de normes, pour des raisons de contraintes économiques, hein, les logements ne grandissent pas. Et ils ne sont pas toujours aussi bien étudiés qu'ils l'étaient dans les années 50 même, où il y avait des logements qui ont très très bien vieilli. C'est un problème de promoteur, d'architecte, parce qu'on voit les extérieurs sont plus soignés, les appartements se ressemblent un peu tous. Qui se ressemblent, c'est pas gênant. Les logements haussmanniens se ressemblaient bien à peu près tous. Hein. Et ils ont très 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 bien vieilli. Ils accueillent des activités très différentes, y compris des activités de... parfois de journaux, mais ça peut être aussi des bureaux, des écoles et des logements avec... Oui, à Lyon, on ne parle pas des haussmanniens, mais on parle des canuts, par exemple. Oui, ben oui, c'est les bâtiments des canuts. Qui permettent des grandes modularités. Exactement, et où on peut très bien travailler avec l'informatique et tous les câblages possibles, alors que ça n'avait jamais été étudié pour. Donc, l'important, c'est de travailler sur des volumes, pas au sens publicitaire du terme, mais c'est le vide a une forme. Et les volumes, travailler sur les volumes, c'est précisément donner cette forme au vide. Et Le Corbusier, dans les séjours de ses unités d'habitation, l'a réussi. Ailleurs, non, mais c'était déjà ça. Y a aussi les lumières qui comptent, la lumière naturelle. Et c'est tout un travail que les architectes font assez bien, surtout les bons architectes, les matériaux. Et quand on est pris par des normes qui sont terribles, la France, c'est vrai que c'est un vieux pays et on est bouffé de normes. Il y a des choses qui étaient très belles il y a 60 ans ou même plus, peut-être même un siècle, qui seraient interdites aujourd'hui. Et quand on en arrive aux normes handicapées, appliquées à tous les logements, c'est ça qui est un truc complètement délirant. Ça veut dire qu'on va avoir des toilettes qui vont être gigantesques, mais comme il faut bien que les gens payent le logement, le séjour et les chambres vont rétrécir. Et on va faire sauter le hall d'entrée qui était quand même un endroit où on faisait le sas et le tri entre les gens qui peuvent entrer plus avant dans le logement et ceux qu'on laisse un petit peu là parce qu'on n'a pas envie qu'ils aillent plus loin. Donc pour comprendre, le législateur a tué le sociologue de l'architecture. Le sociologue, c'est un des problèmes de l'architecture aujourd'hui en France. Il y a un copain architecte qui me disait, dans les immeubles d'habitation, je ne dessine plus les escaliers. Au fond, c'est les pompiers qui dessinent les escaliers. C'est quand même un peu gênant. Vous évoquiez le vide. Oui. Là, c'est l'ennemi du promoteur et l'architecte, malheureusement, n'est pas dans un monde idéal, puisqu'il doit travailler, composer avec son promoteur. Non, le vide, c'est pas le rien. Le vide est une forme. Ça, c'est ce que les architectes m'ont appris. C'est ce qu'on ressent, par exemple, quand on entre dans une crypte d'église romane, par exemple. Tout d'un coup, on est pris dans un volume vide, mais on commence à le ressentir physiquement. Moi, je l'avais ressenti physiquement la première fois, parce qu'il faut l'expérience. Le dire en mots, c'est bien. Mais je l'avais ressenti dans la philharmonique de Berlin, où j'étais allé là, et puis les architectes, des copains, m'avaient entraîné en disant « tu vas voir, c'est magnifique ». De l'extérieur, le bâtiment de Scharoun ne m'avait pas du tout séduit, et je suis rentré dans la salle de la philharmonique. On ne peut pas le photographier, on ne peut pas le dessiner, c'est trois dimensions. On est réellement, c'est une expérience physique. Et quand des architectes en arrivent là, ils fabriquent une expérience qui est une jouissance du corps dans l'espace. On peut avoir ça, même avec une surface assez petite, hein,
Les cryptes dont je parlais tout à l'heure, en général, ne sont pas gigantesques. Non, bien entendu, à part ça, c'est vrai qu'il faut se battre contre les promoteurs privés qui savent mieux, disent-ils, les besoins des habitants que ce que les architectes savent ou Et ce le que les sociologue peut gagner sociologues le savent. match contre le promoteur, C'est non? très difficile parce qu'ils n'ont pas d'argent. Les promoteurs, ils ont de l'argent, donc forcément, ils gagnent. Mais c'est très fréquent que les promoteurs disent non, non, moi je sais, c'est ça qui se vend. Évidemment, les envies prennent vie du côté de chez vous. Pour parler d'une petite publicité, c'est très joli, mais quand on voit des émissions pareilles, je dis c'est très bien, des promoteurs peuvent sauter sur ce genre de goût. Mais chaque fois, je me dis, ces gens-là, ils disent on veut plus de portes, on veut que des volumes, très bien. Qu'est-ce qu'ils vont faire quand leurs enfants auront 12 ans, 13 ans, 14 ans, qui voudront écouter leur musique? C'est pas possible, il n'y a pas de porte. Et quand les enfants, comme chaque adolescent, va vouloir claquer la porte de sa chambre en disant foutez-moi la paix, il n'y a pas de porte. Donc ça va pas. Bah, le loft oblige à bien s'entendre dans une famille, c'est Mais très bon pour la c'est cohésion. dramatique. C'est dramatique. C'est un des problèmes des unités d'habitation du Corbusier. On ne peut pas faire les 3-8. Puisque la chambre parentale, elle est en mezzanine au-dessus du séjour. Ça ne se ferme pas. Donc le type, il bosse la nuit, il n'a pas le droit de dormir le jour. Il y a des aberrations là. En général, les bons architectes savent que là aussi, la vie quotidienne est assez banale et qu'il suffit d'avoir un cadre assez solide. Et les gens ensuite, ils vont tout faire, vont faire l'électricité, vont changer le papier peint s'ils veulent, mettre leur couleur. Bon, ben voilà, c'est très bien. Pour finir, il y a deux projets sur lesquels je voulais vous faire revenir à Lyon en architecture et peut-être même en urbanisme. Lapardieu, on revient sur ce qu'on évoquait tout à l'heure, c'est ce fameux urbanisme de dalles avec les passerelles. Tout ça va sauter. On est dans un quartier qui se veut toujours moderne avec ses grandes tours. Est-ce que c'est le sens de l'histoire, ces tours, puisqu'on parle justement pour lutter contre l'étalement urbain et ses conséquences sur l'environnement? Est-ce que c'est le bon outil pour la ville de demain? Pour Lapardieu, bon, on sait tous que c'est pas à proprement parler un échec, mais que tout de même, quand on doit revoir un quartier tout entier 40 ans après, c'est qu'il y a un problème. Et ce problème était d'omettre la forme de la ville au profit d'une séparation auto. Justement, toujours pas de contradiction, toujours pas cette banalité qui est faite de contradiction. On voit que ça ne marche pas, c'est pas vivable. Et il ne s'agit pas de faire des monuments pour résoudre la question, il s'agit de refabriquer de la ville avec beaucoup d'humilité. Quant aux tours, moi je me pose une question. C'est que Lyon a quand même l'expérience d'avoir eu, il y a longtemps, des édiles disant il faut qu'on soit comme les Américains. En Amérique, l'autoroute passe dans la ville. Très bien, on a eu Perrache. Aujourd'hui, on s'arrache les cheveux en disant comment faire pour limiter les dégâts. Je me demande si la prolifération de tours pour faire américain, pour faire grande ville, ne risque pas de conduire au même problème. Parce que faire des tours, c'est densifier énormément, donc faire venir beaucoup de gens, C'est donc peut-être beaucoup un de des enjeux du circulation. XXIe siècle aussi, la Non. densification. Oui, mais la densification n'est pas forcément faite sous forme de tours. Un habitat dense, avec des rues et des bâtiments à R plus 5, c'est beaucoup plus dense que les tours. Parce que les tours, il ne faut pas oublier qu'il y a tous les parkings, qu'il y a tout ce qui va être nécessaire pour y accéder en train, en tram, en bus, en métro, et que, en plus, ça va engorger des morceaux de ville très difficiles. Si on veut en plus avoir un espace public à l'échelle de la tour, c'est le parvis de la Défense, qui est un truc mais gigantesque, c'est hors de proportion. S'il y a une manifestation de 60 000 personnes sur le parvis de la Défense, ça fera riquiqui, hein. Autre sujet et autre monument sur lequel je voulais vous faire revenir, le musée des Confluences qui doit être un des symboles de Lyon et de la ville du XXIe siècle. Est-ce que pour vous le pari est réussi? Là aussi, il faudra voir, et on ne peut jamais dans une ville dire c'est un raté complet, parce que l'usage, l'habitude, peut-être dans ce cas-là, des conservateurs extrêmement habiles, bon, peut-être que ça va bien vieillir. Cela dit, moi, je me pose aussi une question, parce que ce lieu dans Lyon a toujours été le lieu des projets avortés. Depuis belle lurette, et un lieu est toujours l'histoire de ces projets. Et ce n'est peut-être pas pour rien que tous ces projets ont avorté. Parce que peut-être que c'était important pour Lyon d'avoir cette confluence-là du vide. Et un vide qu'on aurait peut-être pu paysager, mais juste ça. Et c'est peut-être une des richesses de Lyon, avec les deux fleuves,
que ces lumières-là et ce moment où il y a quelque chose qui se passe et qui est très rare dans les villes. Bâtir à cet endroit ne me paraît pas obligatoirement pertinent. Bon, j'espère que ça va marcher quand même. Oui, le vide n'est plus du tout l'allié d'une ville. Vide, hein. Chaque ville met des acs à peu près partout. Dès qu'il y a une friche, hein. on rénove, on essaye de redynamiser. Il n'y en aura quasiment plus des espaces vides dans les grandes villes. Non, et le risque est que, bizarrement, on banalise les villes. Parce qu'à force d'avoir des éléments monumentaux qui devraient attirer des gens, c'est pas tous les jours que ça marche. Alors on a parlé de Bilbao, de l'exemple du musée de Bilbao. Il ne faut pas oublier que ce musée, il a été implanté dans un lieu qui était très saumâtre. C'était une zone industrielle en perdition, hein. Et y implanter ici un musée, c'était un geste politique et un geste urbain très très fort qui a fait basculer le quartier. Ça a été un levier. Mettre un musée à l'endroit où la Saône et le Rhône se rejoignent, je ne crois pas que ça va bouleverser la Saône et le Rhône. Hein. Merci beaucoup Jean-Noël Blanc d'avoir répondu à notre invitation. Et moi je vous conseille ce livre, L'inauguration des ruines de Jean-Noël Blanc, justement pour lire ce week-end et passer du bon temps. Merci beaucoup et je vous retrouverai lundi avec grand plaisir. Au revoir. Merci.